Il y a déjà des questions? Ah oui. Merci beaucoup, Marie-Claude Blais, pour cet exposé qui nous rappelle un certain nombre de choses que vous avez déjà évoquées dans vos livres. Alors, je vous suggère, il est 1h07, nous avons quelques minutes de retard, je vous suggère un exercice impossible, qu'on va quand même essayer de faire en très peu de temps. Je vais vous énoncer quelques questions, et peut-être que vous pouvez picorer et donner une ou l'autre réponse très courte, si possible, à ces différentes questions. Mais en sachant, comme tout à l'heure, que certaines de ces questions ouvrent le champ à une nouvelle conférence. Alors, quelle place ont les pédagogies dites alternatives, Montessori, Freinet, etc., dans l'apprentissage de la démocratie ? Quelle place ont les pédagogies alternatives, par exemple, la question cite ici Montessori, Freinet, dans l'apprentissage de la démocratie. Je les cite. Deuxième question porte sur la notion de multiculturalité dans la société. Est-ce que notre discours n'est pas ethnocentré ? Est-ce que notre discours n'est pas ethnocentré ? Dit la question. Oui, j'ai pas ethnocentré. Pourquoi la première? La première phrase, c'est quoi? Qu'en est-il de la multiculturalité? Est-ce qu'on prend bien en compte la multiculturalité, et donc est-ce qu'on n'a pas un discours ethnocentré? Une question, comme je disais, qui représente sans doute toute une conférence pour y répondre. Que faire pour redonner à l'école sa place comme instrument de transmission d'un héritage culturel qui participe à l'émancipation personnelle et à l'enracinement culturel de l'enfant? Oui, je vous entends mal. Oui. Donc, que faire pour redonner à l'école sa place comme instrument de transmission d'un héritage culturel qui participe à l'émancipation personnelle et à l'enracinement culturel de l'enfant? Je n'en dis pas plus parce que rien qu'avec les trois premières, je suis désolé pour toutes les autres, je vous les transmettrai. Mais si vous pouviez dire deux, trois mots sur l'une ou l'autre ou les trois. Oui, je peux répondre par écrit aussi. Moi, j'accepte que vous donniez mon adresse mail et je suis ravie d'avoir des réactions personnelles à ce que j'ai pu exposer, parce que ça me permet de voir qu'il y a des choses qui sont encore mal exprimées, donc c'est très bien. Alors, j'avais fait un petit passage que j'ai zappé sur les pédagogies interactives ou actives ou nouvelles, et en particulier la pédagogie Freinet. Je connais moins chez Montessori, je connais les bases bien sûr, mais je connais pas la dimension collective qu'elle peut donner à sa pédagogie. Chez Freinet, écoutez, c'est le mystère. Moi, j'ai eu un étudiant qui avait 50 ans et qui m'a dit: je viens, madame, à l'université pour faire une thèse sur... j'ai pratiqué la pédagogie Freinet pendant 40 ans. Il avait peut-être un peu plus, il prenait sa retraite. Et je voudrais savoir pourquoi ça ne marche pas. Donc, moi, c'est vraiment une question que je me pose aussi. C'est-à-dire qu'il avait tout compris, en gros. Et c'est-à-dire que l'émancipation se fait par la connaissance, les enfants, effectivement, travaillent en groupe, s'entraident, c'est des règles absolument... intangible chez Freinet, coopèrent, ils discutent de la vie de la classe, il y a des conseils, etc. Tout ce que je vous ai dit là, c'est déjà présent chez Freinet, donc au début du siècle, dans les années 1920, du XXe siècle. Et pourquoi ça ne s'est pas répandu? Pourquoi ça n'a pas marché? Moi, j'ai une petite idée, parce que j'envoyais mes étudiants dans les classes Freinet que je connaissais à Paris, et je pensais qu'ils reviendraient enthousiastes. Ils revenaient déconcerté, en disant certains, je vais grossir, madame, j'ai pas fait ce métier-là pour être autoritaire comme ça. Et d'autres disaient, c'est trop de travail, les enfants sont en atelier libre, etc. Mais il faut les aider à chaque instant, évidemment, parce que le maître n'a pas disparu, au contraire, il est encore plus présent. Et donc, il y a une préparation en amont monstrueuse, etc., etc. Donc, aucun d'entre eux, ou très peu d'entre eux, ont accepté de se diriger vers ce genre de pratique. Ça leur paraissait, pour certains, trop directif, et pour d'autres, trop lourd à organiser. Ça a une part de vrai, ça.
Voilà. Mais autrement, effectivement, la dimension collective, la dimension même politique chez Freinet, hein, de relation avec le monde du travail, d'émancipation des travailleurs par l'école, etc., elle est omniprésente. C'est quelqu'un de prodigieux. Sauf que, dans les faits, ça représente peut-être quelque chose d'inaccessible pour le commun des mortels. C'est un apostolat. Associé à quand même, parce que ça je l'ai constaté avec tous les enseignants Freinet, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il y a une certaine poigne à avoir. Hein, quand on dit l'éducation progressiste, c'est une éducation anti-autoritaire, non, on a fait un chapitre là-dessus, au contraire. Mais l'autorité est maniée de manière plus subtile, ce n'est pas effectivement le majordome qui met les enfants tous à la tâche en même temps. Mais précisément parce qu'il faut les mettre au travail, il faut avoir un cadre extrêmement contraint et pensé, établi, et c'est énormément de fermeté. Hein. Et on le voit quand on fait des stages dans ces classes-là. Voilà. Alors, l'exercice est... L'ethnocentrisme. Oui. Excellente question, difficile, etc. Évidemment, ça rejoint la question de la laïcité, hein. C'est-à-dire que ces principes démocratiques que nous affirmons, on sait très bien qu'ils ne sont pas acceptés par toutes les populations, d'abord dans le monde, en dehors de chez nous, mais même chez nous, puisque nous avons une diversité souhaitée, souhaitable, il y a des personnes, quand on parle de non-discrimination entre les hommes et les femmes, effectivement, ça peut poser des questions. Hein. Donc, là, on est assez clair. Hein. Vous savez qu'il y a des grands débats, sans doute chez vous aussi, sur laïcité ouverte, laïcité fermée, etc. Mais si on considère qu'on doit avoir un enseignement moral et civique, c'est parce qu'on considère que l'école est un lieu de formation à la démocratie et doit transmettre les principes de la démocratie, pas les principes des différentes communautés qui sont présentes à l'école. Si ces communautés veulent les enseigner, elles peuvent les enseigner, c'est la liberté d'opinion, la liberté religieuse, la liberté d'expression, mais l'école ouverte à tous doit s'adresser à tous en faisant, on ne transmet pas ce qui relève des communautés particulières. Donc elle fait appel à l'universel, excusez-moi des grands mots, à ce qui est partagé par la raison, ce qui a été établi par notre tradition, parce qu'on a une histoire, hein, on vit dans un pays qui a adopté des principes, on peut les donner ces principes, ils sont inscrits dans notre constitution, ils ne sont pas fabriqués par la tête du directeur de l'enseignement secondaire, hein. C'est la Constitution, c'est la Révolution de 89, c'est la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle. On les a, et c'est cela qu'on transmet. Maintenant, on n'empêche personne de transmettre d'autres choses, mais par d'autres voies, pas dans l'enseignement ouvert à tous. Voilà, instrument. Alors, que faire la dernière question. Il y avait le Freinet, le Montessori, l'ethnocentrisme, et puis Que faire pour redonner à l'école sa place comme instrument de transmission d'un héritage culturel ? Oui, mais là, que faire ? Faire ce qu'on est en train de faire là. Mais c'est-à-dire que réfléchir ensemble et propager ces réflexions, montrer que, franchement, moi je crois beaucoup quand même à l'intelligence collective. Il y a une contradiction dans les termes. Alors, quand on parle de conditions d'éducation, c'est que c'est impossible de penser l'éducation indépendamment d'un contexte historique et social qui porte cette éducation. Tout simplement parce que la première raison que je vous l'ai donnée, c'est que les savoirs que l'on apporte, ils ne sont pas venus de nulle part. Il y a tout un collectif, il y a des débats, il y a des discussions. Maintenant, on lance des cours à l'université sur les grandes controverses scientifiques. On montre que tout ça, c'est pas de l'individuel. Comment on peut, c'est contradictoire dans les termes. Une éducation individualiste, c'est, j'oserais le dire, hein, c'est un paradoxe, c'est un oxymore, c'est pas possible. Donc, que faire ? Ben, on peut montrer que ça ne marche pas déjà, hein, parce que l'augmentation de l'échec scolaire, la contestation de l'école par des jeunes qui sont des décrocheurs scolaires, etc., parce qu'ils ne voient pas du tout le sens de tout ça, comme je vous l'ai montré, il y a quand même des éléments assez alarmants
comme disait Jean-Pierre Lebrun tout à l'heure, hein, dans ce qui se passe dans l'éducation aujourd'hui. Et donc, on peut le montrer, réfléchir, essayer de trouver les causes, et puis de se dire, on a pris une mauvaise route. Et on n'est pas tous, dans l'erreur, hein, on est quelques-uns. Je pense que les enseignants, les premiers, ils voient les contradictions. Vous me direz, hein, mais je pense qu'ils les voient.